4. Raoult, ça tu n'es pas farouche. Raoult, pour te mettre en avant, plus fort que les chercheurs au protocole mou. Et donne ton savoir. Bats-toi, même si certains te prennent pour un fou. Toujours à fond, Raoult. Tu sauves tous les jours des gens. Tu découvres les virus géants. Tu as fait bac littéraire. Tu sais blinder ton compte Twitter. Même si tu triches beaucoup, tu publies des milliers d'articles, Raoult. Raoult, tu guéris tout Marseille, découvre des bactéries nouvelles. Tu sors en pleine crise un bouquin à succès, le Chuck Norris français. Raoult, t'es pote avec Donald, tu vas sauver les USA. Bonjour, bonsoir, selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, bienvenue sur le trône, comme d'habitude. Nous sommes le 9 mai 2020, il est 22h50, ouais, encore donc. Pourquoi faire cette vidéo? Ben en fait, je m'étais posé la question à la dernière vidéo que j'ai faite sur pourquoi est-ce qu'on n'entend plus parler ni de la chloroquine, ni de Raoult, ni de qui que ce soit d'ailleurs. Puisque j'avais fait déjà il y a longtemps une vidéo sur Raoult contre la Macronie, vous irez la voir dans le menu des vidéos disponibles. Donc c'est un Raoult versus Macronie. Donc là c'est l'épisode 2, je veux dire c'est juste l'épisode pour la reprise, puisqu'on va se faire déconfiner après-demain. Hein. Donc le déconfinement de notre cher bon roi donc étant programmé pour après-demain, je me suis dit, mince, faisons un peu à l'état des lieux, de est-ce que c'est Raoult en mode espion de l'État caché, etc., source anonyme, cachée de Macron, qui aurait donc dit à Macron, vas-y, c'est bon pour le 11, je valide. Ou est-ce que c'est... Non, d'après ce qu'on a vu dans les autres vidéos, c'est vraiment... Là, ouais, ça serait pas mal le 11, voilà. Donc, bref. Donc voilà, donc on va un petit peu étoffer juste l'épisode 2, le retour. Pourquoi la Macronie versus Raoult, hein, et pourquoi cet abattage, etc. Un peu ce qui fait suite à la première vidéo hein, que j'avais faite. Donc la communication qui était faite à son sujet depuis l'évolution de la pandémie. Hein, voilà. Donc bref, mais bon, donc commencer déjà par donc les chiffres. Alors aujourd'hui, donc je répète, nous sommes le 9 mai 2020, donc nous sommes le 1, 2, 3, 4, 5e pays mondial sur les morts, hein, cocorico, tout ça, et attention, quand je dis on est 5e, quand on compare celui qui est au-dessus de nous, on se bat à 200 morts près, hein, à peu près, donc on peut passer 4e hein, mondial. Donc je referai pas, donc aujourd'hui pardon, donc on est bien à 138 421 cas confirmés pour les 26 230 morts, donc voilà, hein, toujours pareil, quand on voit celui qui nous talonne à 10 000 morts, et quand on voit que c'est le Brésil, on va nous dire ouais mais le Brésil nous sort des chiffres bidons, donc on peut pas s'y fier. C'est pas une... Il me semble que c'est pas une dictature, donc on peut pas sortir l'excuse de c'est des faux chiffres, parce que c'est, je sais pas, la Belgique, voilà, je vois effectivement 8581. Ouais, ouais, non, non, la part des 20 000 morts, c'est nous hein, qui louons. L'Allemagne, après le déconfinement du 19 avril. Déconfinement le 19 avril, attention, parce qu'ils avaient les tests, ils avaient, enfin bref. Allez voir pourquoi, est-ce que l'Allemagne a pu déconfiner le 19 avril. Hein, nous, on est le 9 mai, les confinements programmés le 11, avec une totale, comme vous avez vu là, dans la vidéo précédente, une totale désorganisation, surtout la partie déresponsabilisation. Hein.
Bref, l'Iran 6000, pas mal quand même. Et puis si on redescend, si on descend, si on descend, si je cherche mon Portugal, donc 1126 cas, hein, toujours avec 27 000 cas confirmés, donc 1126 cas. Hein. Ils ont été cités en exemple hein, pendant cette communication macronienne de se poser la question pourquoi le Portugal. Donc pareil, c'est un pays de tiers-monde, ça doit être ça, c'est pour ça qu'ils communiquent mal les chiffres. Bref, je cherchais juste si je voyais notre ami la Suisse, parce qu'on en parlait. Parce que je vous avoue que je découvre les chiffres en même temps que vous. Hein. Donc est-ce que la Suisse, la Suisse, la Suisse, la Suisse, je ne vois pas la Suisse. Bref, bon, c'est pas grave, on en reparlera plus haut. Bref, donc voyons par rapport à aujourd'hui. Donc les chiffres de notre gouvernement, donc local, hein, ici, donc le rapport de la santé officielle d'aujourd'hui, donc il est là, toujours, donc 138 000 cas, donc 26 310 morts, avec les cas, donc cette inversion de chiffres, pourtant c'est dommage, j'aimais bien le chiffre qui était là, les fameux cas potentiels, mais avec un nombre exact de cas potentiellement touchés, avec les cas en fait qui étaient. Donc là en fait pour retrouver les cas potentiellement touchés, vous faites ça, moins ça, et vous allez voir un chiffre exact de cas potentiels de coro donc dans les EHPAD. Donc toujours dans le contexte que on est toujours en euthanasie accélérée, enfin autorisée, optimisée, ce que vous voulez en fait. Donc voilà. Et donc comme d'habitude, je sors les chiffres donc du site américain. Hein, qui compare ces chiffres-là, à donc celui-là. Donc nous, la France, on est là. Donc d'après ce que je vois, 176 751. Voilà. Donc 176 751, 751. Excuse-moi. Oui, voilà. Et ce chiffre-là. Donc toujours à comparer les deux. Hein. Donc on peut voir qu'il y a toujours un problème de communication. Qu'on nous sort les chiffres des autres pays qui seraient pas vrais, etc. Ben, les nôtres, avec les nôtres, qui nous font marrer, quoi. Enfin, rire jaune, comme on dit, mais bon. Donc, bon, j'enlève ça, comme d'habitude, j'enlève ça. Et si on voit cette fameuse carte de déconfinement, bah oui, ça, c'est la nouvelle version des chiffres qu'on doit avoir. Donc, hop, allons-y. Donc, la carte de déconfinement, oui, donc ça, c'est les fameux chiffres que je vous disais hein, tout à l'heure. Donc, ça, c'est bien parce que la carte de France, en fait, vous voyez, on est quand même à 6451 morts en région parisienne. Région parisienne quand même. Et pourtant, on parle que de l'Est en ce moment. Que oui, est-ce que l'Est va se déconfiner, etc. Ouais, mais regardez un peu à notre porte. Enfin, faut regarder devant, balayer devant notre porte, comme on dit. Bref, alors notre fameuse carte de France. Ah bah, ah oui, grosse nouveauté. Bison futé, c'est plus orange, c'est rouge ou vert. Donc depuis jeudi dernier, parce que notre bon Premier ministre a donc décrété que l'orange, si bête, elle s'est gourée dans le coloriage, on va l'enlever. Donc voilà, on en est là. C'est marrant parce qu'il y a des zones qui étaient encore oranges, qui sont devenues rouges. Et pourtant, on n'a pas encore déconfiné. Hein. Parce que depuis qu'on a annoncé le déconfinement, on se croirait vraiment au 11 mai, alors que ça fait quasiment, pas depuis le dernier discours de Macron, que les gens ont commencé à faire un peu ce qu'ils voulaient. Hein. J'ai envie de dire, c'est normal. Sortir des trucs bidons, à un moment les gens ils y croient plus, donc ils se disent bon ben ils nous prennent pour des cons, donc on va pouvoir les bosser, et voilà quoi. Bref, voilà cette fameuse carte, hein, donc vert et rouge. Donc je rappelle, donc ce qui se passe, c'est que par rapport à la circulation, voilà, donc ce qui gère en fait, c'est ça, c'est le rouge, c'est parce qu'en fait, on est encore dans le rouge pour pouvoir accueillir des gens contaminés en réanimation au cas où ça se dégénère. Alors, toujours avec les 26 000 morts hein, d'aujourd'hui. On en est là. Tiens, il y a un nouvel onglet. On va voir tout de suite. Je vais découvrir avec vous. Le aide d'entreprise, c'est quoi ça? Ah non, non, mais non. Ils ont fait ça. Non. Alors, top 10 d'aide de code par code section à l'échelle nationale. Alors, attendez, je ne comprends pas. Là. Nombre d'aides. Échelle nationale, aide versée. Non, 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 mais non. Si, si. Ils tiennent les comptes pour faire genre, regardez, est-ce qu'on fait avec votre argent? La région parisienne, 478 000. Alors, c'est ce comptant quoi? Le montant, c'est en milliards, c'est comment? Donc, ouais. Wow.
ouais, les gars, c'est bon, votre loi d'amnistie, elle est passée. Enfin, elle a été rebootée en assemblée. Je ferai une autre vidéo, c'est la partie encore, la déresponsabilisation 2, peut-être, je sais pas. Mais bref, on en est là. Donc, apparemment, les commerces, c'est ce qui a été, c'est ce qu'ils ont apporté le plus d'aide, à qui ils ont apporté le plus d'aide. Wow. Oui, parce que je pense qu'avec l'amnistie en fait permettra jusqu'à même un employeur de forcer ses salariés à travailler comme il risque rien pénalement. Hein. Il n'y a pas que Macron, du coup, c'est toute la chaîne. Hein, toute la chaîne, donc du top haut à même le petit gars qui accuse son voisin d'avoir contaminé en lui crachant dessus, pénalement, ça vaut plus rien de toute façon. Voilà, c'est fini. Coronavirus, c'est la carte joker, c'est Monaco, quoi. C'est Monaco et paradis fiscal de la santé. Bon, voilà, hein. Donc comme d'habitude, hein, désolé, voilà. Donc revenons au sujet, Raoult, hein. Donc Raoult, notre cher Raoult, pourquoi est-ce qu'il y a une dogme qui a commencé à s'installer, hein. Donc il faut savoir que Macron a autorisé quand même, à partir du 26 mars, je crois, ou 28 mars, la chloroquine quand même, hein, pour tester. Bah non, il n'avait pas dire non, j'ai interdit la chloroquine. Bon. Voilà, ben, malgré ça, donc les médias, hein, donc de la Macronie, de ceux qui l'ont mis en place, etc., ben, ils en parlent comme ça à l'époque. Donc là, par exemple, à l'époque, non, attention, là j'ai un exemple, c'est effectivement, alors la date du 22 avril, je crois. Voilà comment on parlait des dernières déclarations de Raoult, parce qu'en fait, il faut savoir qu'il ne parlait qu'à travers sa chaîne YouTube. Il refusait n'importe quelle interview. J'ai envie de dire qu'il a bien raison, hein. BFM, il a fait une interview d'une heure avec BFM. Ben, j'ai pas mis le lien, j'ai pas fait l'analyse là-dessus. Mais il y a des gens qui ont décrypté le discours de la journaliste, et c'est vraiment le truc pour cibler, pour le piéger, etc. Il a tout contourné. C'est intéressant. Je mettrai peut-être le lien de l'analyse d'une des lunettes qui a fait l'analyse de comportement linguistique, etc. Bref, mais voilà, par exemple, le 22 avril, voilà, qu'on a. Tous les pays riches et tous les pays développés ont eu des succès Voilà. beaucoup moins importants Donc, que ils les pays extraient pauvres, des petites qui phrases. eux, assez raisonnablement, ont choisi de traiter ça comme une pneumonie avec des médicaments banals et qui ne coûtaient Voilà. rien, et qui ont du coup des mortalités beaucoup plus faibles. Et dans les 15 pays qui ont la plus forte mortalité, ça n'est que des pays riches. C'est Donc ça. c'est-à-dire qu'il y a une déconnexion actuellement entre la richesse et la capacité à répondre à des situations de cet ordre-là. C'est ça. Moi, peut-être Parce que j'ai que. été capable d'y répondre parce que je suis en partie africain, et donc c'est une Ouais. partie de mes origines qui me laisse l'idée qu'on doit traiter les maladies Et il nous la infectieuses. glisse comme ça. Hein. Frédéric Adnet, Alors, ils sont même allés chercher un gars question, pour contredire, cette évidemment. hypothèse, Voilà. crédible ou pas selon vous, et Voilà. si c'est le cas, évidemment, qu'est-ce qui l'expliquerait? Non, je crois que d'abord, il ne faut pas opposer les Voilà. systèmes de santé des pays riches et des pays Non, pauvres. faudrait pas. Je crois que quand on a vu l'épidémie d'Ebola et qu'il y a une véritable coopération entre les pays riches par l'envoi massif à la fois de soignants et de Ouais, bien sûr. structures et de protocoles, on a pu vaincre l'épidémie d'Ebola en Afrique Oui, mais il était bien grâce fait à une l'Ebola véritable là-dedans, quoi, je veux dire. coopération entre les pays riches et les pays pauvres. Non, mais là, il est en Je train. crois que d'essayer d'opposer, comme il le fait, les pays riches et les pays pauvres dans la gestion d'un problème sanitaire, c'est vraiment être contre-productif. Alors, on manque de recul Aucun sur argument justement, médical. et je vous l'ai dit il y a 5 minutes, sur Petite phrase, le on fait attaque que chaque petite l'épidémie phrase. ne se propage pas en Afrique. Problème, on va dire, de saisonnalité, problème de structure sanitaire, problème du fait qu'on a du mal à avoir des tests pour détecter effectivement la population qui s'est infectée en Oh là là. Afrique. Tout ça a besoin d'une analyse On les a pas sérieuse non à plus les tête têtes, hein, je vous reposée, rappelle, mais bande de surtout petits. ne rentrons Pardon, pas dans des espèces les de gars. conflits entre les riches et les pauvres dans un problème sanitaire. On doit plutôt promouvoir la coopération entre les différentes structures sanitaires. Bref, voilà, c'est l'excuse de ouais, mais faut pas dire ça parce que nous, quand on est là pour l'Ebola, on aide les pays pauvres. Mais c'est pas ce qu'il a dit, Raoult, il a dit que les pays riches sont plus touchés que les pays pauvres, entre guillemets. Et c'est chaud, bah, dans tous les chiffres que je vous affiche tous les jours, enfin, chaque fois que je fais une vidéo, c'est clair, il n'y a pas photo. Alors c'est l'excuse de ouais, mais on n'a pas les tests pour voir de quoi ils sont morts, etc. Arrêtez avec cette communication, ça, franchement, c'est juste indécent, quoi. C'est super indécent. Là, j'avoue que c'est super indécent. Mais rappelons-nous. Donc là, pourtant, le 26, c'était le 26, il faudrait que je retrouve la date, c'est 26 ou 25 mars, Macron
valide indirectement donc le fait qu'on puisse utiliser la chloroquine. De toute façon, j'ai envie de dire, il n'y a pas trop de choix. Hein. S'il déclarait haut et fort à la télé qu'il ne fallait pas l'utiliser, pourtant, tous ces sous-fifres, toute la Macronie derrière, enchaînaient. J'ai reçu hier les recommandations du Haut Conseil de Santé publique, fondées sur la saisine de 7 autorités, 7 sociétés savantes, qui dit « Nous n'avons pas les preuves de l'efficacité de l'hydroxychloroquine ou d'autres traitements d'ailleurs à ce stade. Nous devons obtenir le laissez-passer à 38. Il est donc dangereux, en l'absence de preuves, de donner ces médicaments comme on donnerait des médicaments qui auraient une autorisation de mise sur le marché. En revanche, le Haut Conseil considère que si, en collégialité, des médecins décidaient que sur des malades graves, en l'absence de traitement, avec des complications pulmonaires sévères, ils estimaient en leur âme et conscience qu'ils pouvaient donner ce type de traitement, eh bien, il fallait leur permettre, et c'est ce que j'ai autorisé. Vous voyez qu'il n'y a pas de raison de s'énerver. Non. Je ne m'arrête pas là, puisque j'encourage des études cliniques pour des phases plus précoces symptomatiques ou présymptomatiques dans différents territoires. Je m'entretenais avec des équipes de chercheurs ce matin encore. Nous ne voulons pas passer à côté de l'occasion de donner ou d'identifier un traitement qui marcherait. Vous dire seulement, M. Strootman, que les cardiologues m'alertent aussi sur le fait que l'hydroxychloroquine peut entraîner des troubles cardiaques. Aux États-Unis, il y a eu une personne aujourd'hui qui en met automédication comme l'hydroxychloroquine et qui a fait un arrêt cardiaque qui lui a été fatal. Nous n'en sortirons pas, Astérix. La potion magique ne peut pas nous aider. C'est vrai que la potion magique ne nous servirait de rien ici. Encore une fois, oui à l'innovation, oui à la recherche, oui à la recherche effrénée, sans limite de traitement, de vaccin, par tous les moyens possibles, mais dans le respect des données de la science et dans le respect de la sécurité et de la santé des patients, parce que les Français ont le droit à cette sécurité, comme ils ont toujours le droit à la sécurité sanitaire en tout temps pour toute épidémie. Donc l'usage hospitalier réservé à des situations particulières aujourd'hui et demain, si nous avons des données cliniques. Et demain, si nous avons des données cliniques qui nous permettent d'espérer aller au-delà, nous n'attendrons pas. Mais nous devons attendre ces informations cliniques, sans quoi ce serait totalement irresponsable de ma part comme ministre de la Santé. C'est criminel. Voilà, c'était l'exemple de ce que je voulais dire par rapport au non. Alors oui, officiellement, mais en fait, non, communication. Non, en mode communication, il ne faut pas qu'on fasse comme ça, parce que voilà, c'est l'autre Gaulois là, qui nous emmerde tous, qui ne veut pas nous écouter, qui fait ça de son côté, quoi, sans organiser tout ça. Non, les gars, il faut juste arrêter. C'est chiant, c'est chaud, c'est chiant, mais voilà, hein, pourquoi pas. Bref, à la dernière vidéo, j'avais fait un tour de table de l'Assemblée de... En fait, Véran, c'est-à-dire qu'il en était à... Autant il n'ouvrait pas sa gueule quand on l'accusait, autant comme là, c'est par exemple... Parce que dernière vidéo, j'avais fait un tour de l'Assemblée sur comment il se faisait attaquer à l'Assemblée. Et c'est vrai que j'avais mis quasiment tous les partis. Il n'y en avait qu'un seul que j'avais pas mis. C'était effectivement celui de... comment elle s'appelle, donc c'est enfin, Madame Le Pen, hein, donc la seule autorité de l'opposition, d'après ce qu'elle nous dit, hein, la Le Pen, même la Le Pen, enfin pas elle, un de ses suppos. Incapable de prévoir, vous êtes incapable de protéger la population, et si les Français sont en réanimation, n'en déplaise au sinistre préfet de police de Paris, c'est parce que votre gouvernement n'a pas pu. Ou pas voulu les protéger. Ouais, tous ces drames, vous en êtes responsable, et peut-être demain serez-vous reconnu coupable. Alors ma question, la voici. Pensez-vous, monsieur le Premier ministre, que vos mensonges successifs relèvent de la Cour de justice de la République? Monsieur le sénateur Ravier, vous posez une question à laquelle nous sommes les derniers à pouvoir répondre. Oui, enfin maintenant avec l'amnistie. Hein, par contre, j'ai une question à vous poser, monsieur Ravier. Pensez-vous demander ma démission comme ministre des Solidarités et de la Santé, comme Madame Marine Le Pen avait demandé la démission de Madame Roselyne Bachelot, alors ministre de la Santé, parce qu'elle avait commandé, trop de masques. Je vous remercie. Alors ça, voilà, c'est genre le petit joker, les gars, si on vous attaque, sortez la Roselyne Bachelot. Non, Roselyne Bachelot, j'étais la première à lui vomir dessus. Quand elle passait à la télé pour dire « faites-vous vacciner, sinon vous allez tous mourir »,
parce que j'ai 13 millions de vaccins que j'ai gardés parce que mes potes de Big Pharma doivent, on doit les écouler. Donc ils avaient presque fait une loi pour rendre obligatoire la vaccination, c'est pas passé. Genre dans un vaccin, il y avait 11 vaccins différents dans une seule dose. Non mais donc genre machin donc voilà, donc Roselyne Bachelot. Pourtant, ils n'ont pas hésité à envoyer les masques pourris, comme on a pu voir dans les autres vidéos, à La Réunion et tout. Vous avez les mecs qui recevaient des masques moisis. Ils avaient les masques, ils les sortaient, ça tombait, c'était dégueulasse. Donc allez voir les autres vidéos, mais bon, ça circule sur Internet. Hein. Je pense que dans les réseaux sociaux, ils en parlent hein, de ça, les masques pourris. Hein. Alors, oui, trop de masques, mais on a quand même envoyé ceux qui étaient pourris de Roselyne, d'accord ? Et la bouse Roselyne, là, après nous avoir tous accusés de criminels parce qu'on n'avait pas prendre son vaccin, là, moi, j'ai pas été vacciné. Hein, donc voilà, et bon, j'ai envie de dire, ouais, j'ai peut-être eu de la chance, comme vont me dire certains, ou c'est pas normal, etc. Bon, le débat des multivaccins avec la formule qui est bizarre, etc., on peut en faire une vidéo là-dessus. Hein. N'hésitez pas, ceux qui s'intéressent, de m'insulter sur tout cas. Moi, j'ai pas pris le vaccin de Roselyne Bachelot et je l'emmerde. D'accord ? Parce que, bah, apparemment, ceux qui l'ont pris, il y a 26 000 morts. Pourtant, ils ont dû en prendre, je pense, à l'époque. Des vaccins de Roselyne, eh ben, ils sont dans la tombe pour faire... Hein. Bref, donc voilà, l'argument de « oui, mais regardez, vous avez été méchant avec Roselyne à l'époque. » Wow, et les gars, hein, donc faut juste arrêter. Hein, voilà. Mais toujours la même communication, là, le Véran, là. Donc depuis qu'ils sont le vent en poupe comme ça, voilà. Donc il y a quand même des gens qui ont dit « ouais, mais et la chloroquine ?» Monsieur le sénateur Louot, vous avez posé beaucoup de questions, je vais essayer d'en répondre du coup de manière rapide un maximum d'entre elles. Ouais. Sachez d'abord que la France est le pays des études cliniques. J'en ai cité une tout à l'heure. Ouais, le pays. Il y en a beaucoup qui sont en cours sur l'hydroxychloroquine, mais la France n'est pas le seul pays à expérimenter l'hydroxychloroquine. Les États-Unis, d'autres pays européens, les dernières publications, monsieur le sénateur, que je vous invite à lire, qui ont été publiées et validées, ne sont pas en faveur, hélas. Ah ouais, mais clairement pas en faveur de l'utilisation en pratique courante de ce traitement en mono ou en bithérapie associée à l'azithromycine. Néanmoins, les études continuent sur l'ensemble du territoire national, dans les hôpitaux, et donc nous aurons des réponses également issues d'études françaises. Mais lisez... Pas de résultats, mais on continue quand même, je comprends pas. Je vous invite à beaucoup de prudence, encore plus qu'avant. Encore lui, il nous invite. Il n'y a pas le protocole du Dr Raoult, il y a un médicament qu'on prend quand on est malade et qui est efficace ou qui ne l'est pas. Après, on peut décider ce que c'est qu'un protocole clinique, mais je vous assure qu'un protocole clinique, il répond à des règles universelles de publication scientifique internationale. Voilà. Et en l'occurrence, les publications qui sortent, si vous en trouvez une qui est validée, qui permet d'étendre la prescription, je serai encore une fois le plus ravi des ministres de la Santé, parce qu'on aura un traitement efficace. Et puis l'autre qui rigole. Lui, et c'est mon rôle de le dire. Je te jure. Sur les laboratoires vétérinaires, qui se foutent même de la gueule entre ils eux. Ils ont été mobilisés, ils ont proposé à être mobilisés, passer de la... La médecine vétérinaire à la médecine humaine, c'est une alors première ça, dans notre pays. Depuis le premier jour, on l'a dit, ils étaient volontaires. Et notamment des préfets. Ouais. Sur les évacuations sanitaires, je ne voudrais pas qu'on retienne, des évacuations sanitaires, un bus qui a été emporté d'un hôpital à un autre sans prévenir les autorités de santé. Wow. Je voudrais qu'on retienne que notre pays a réalisé 644 évacuations sanitaires par train, par avion, par hélicoptère. Ouais. L'agence touriste qui nous a aidé. C'est une fierté française. Ah oui, j'étais en lien hier avec des réanimateurs 26 000 morts, connard. Pardon. Qui me racontaient ce que ça avait représenté comme chantier monumental pour permettre de sauver des vies. Ah c'est un motif de fierté et nous n'aurions pas pu le faire sans l'intervention permanente des agences régionales de santé et de ses agents. Non, mais... J'ajoute qu'un certain nombre d'entre eux ont payé un lourd tribut. Il y a eu des morts dans les ARS. Ouais. Sénateurs, on a des gens qui ont continué de travailler alors qu'ils étaient malades. Est-ce parce qu'on que sans les agences régionales de santé, sans leurs agents dans les territoires, tout est perfectible. On n'a pas le chiffre. Tout système, on a qui font des pétitions pour récupérer. Et je pourrais écrire un roman sur les difficultés, les longueurs, les problèmes logistiques, administratifs que connaît notre pays comme d'autres. Mais encore une fois, permettez-moi de rendre hommage au grand talent des agents des ARS. Sur les dentistes, je leur ai écrit hier, ils auront 150 000 masques FFP2 supplémentaires. Je profite de votre question pour les remercier pour cette organisation pour assurer les urgences sur tout le territoire depuis plusieurs semaines. Et après, je vous parlerai du charbon bactéridien. C'est un vétérinaire qui l'a mis au point. Voilà. Au 19e siècle. Mais, monsieur Louot. Oui, La petite bifle faite par le président du Sénat, là, qui disait, mais parce que Véran quand même disait, ouais, alors on n'a pas validé avant parce que appliquer la technique animale sur les humains, ça peut être dangereux. Alors on a attendu jusqu'à là, le déconfinement pour sortir les chiffres, pour sortir l'autorisation en urgence. Allez-y les gars, finalement, c'est bon, allez-y. De toute façon, avec l'amnistie, on peut faire ce qu'on veut, on peut même faire des orgies. Animaux, humains, etc. Non, l'équipe vétérinaire a toujours dit, on est là pour faire les tests.
On peut les faire, on sait les faire, et ils n'ont jamais eu... Je l'ai parlé dans une de mes premières vidéos. Ils n'ont pas reçu les accréditations à l'époque. Là, ils les ont données parce que, hé, les gars, faut les faire sortir. Bref, je... on en est là, quoi. C'est toujours pareil. Bref, je... ah là là, la partie, excusez-moi, là, le son, il y a des thèmes qui viennent plus vite. On est toujours donc sur le sujet, donc Bachelot, on a vu les évocations à Bachelot, etc. etc. Donc ils nous font quand même, jusqu'à BFM TV quand même, ben, ils en parlent comme ça de la chloroquine. La première question. Il y a deux questions qui reviennent beaucoup aujourd'hui, c'est pourquoi devoir tester encore la chloroquine alors qu'elle est en vente depuis des années, notamment dans les pharmacies, qu'on l'utilise au quotidien, ouais. Eh bien, c'est parce que l'hydroxychloroquine n'a servi jusqu'à présent que dans quelques cadres seulement. On va regarder dans quel cadre ça va s'afficher déjà. Par exemple, les maladies articulaires inflammatoires, notamment dans les cas de polyarthrite rhumatoïde, mais aussi dans les maladies auto-immunes, par exemple, pour le lupus. Or là, eh bien, il est question d'utiliser dans un cadre avec lequel il n'y a pas encore beaucoup de recul. Et c'est important, Rosine, cette notion de recul pour dresser la liste des plus et des moins, c'est ça? Oui, avoir des preuves. Oui, attention ça. Aussi aux dosages qui sont différents. Ce n'est pas parce qu'on a pris un antipaludéen pour aller dans les régions infestées qu'on sait se guérir, donc surtout pas d'automédication. Surtout et il y a un risque cardiaque, d'où la nécessité de passer un électrocardiogramme avant tout traitement. Et à ce stade, l'hydroxychloroquine ou la chloroquine qui est sa cousine sont réservées à un usage hospitalier. Les médecins de ville voudraient pouvoir en prescrire, voudraient participer, mais pour l'instant, c'est réservé en milieu hospitalier. Ouais, enfin, ils l'ont fait quand même, heureusement, j'ai envie de dire, parce que je pense qu'on arrive beaucoup. Pris beaucoup, mais alors beaucoup, beaucoup, beaucoup plus cher. Beaucoup, beaucoup, beaucoup plus cher. Donc, entre-temps, effectivement, Raoul a fait son interview hein, avec BFM TV. Il a joué le jeu. Hein, donc, comme je disais, allez voir l'interview. Je pense que la plupart l'ont vu. Hein, je ne sais pas, mais... Donc, il y avait la technique de la journaliste pour toujours l'emmener dans son terrain, etc. etc. Et l'autre ne se déstabilisait pas. À la limite, il disait, j'ai pas besoin de vous, entre guillemets. Bref, allez voir l'interview, c'est assez drôle. Et donc là, on a, après l'interview, toujours le même hein, qui intervient pour faire genre ça. Voilà. Voilà. Le 30 avril était passé, effectivement. Voilà. Ah ouais, donc on reprend toujours les mêmes phrases. Hein. Voilà. Ah non, mais c'est chaud quand même. C'est chaud. On en est là. C'est chaud. Donc là, il n'y a peut-être pas la musique. Je suis désolé parce que c'est de la navigation, mais juste les textes en fait. Voilà. Oui, voilà, voilà, exactement. C'est chaud quand même. Ouais, voilà. C'est même Voici en parle, quoi. C'est même Voici qui en parle, quoi, je veux dire. Il faut qu'ils arrêtent. Alors, ouais, la petite vidéo, ça, je vous le mets après. Ouais, donc là, il n'y a peut-être pas le son, je suis désolé. Mais c'est pas grave. C'était le texte qui comptait, en fait. C'était une musique pour accompagner, genre en suspense et tout. La voici, quoi. Ouais. Donc là, en fait, l'autre, il dit, ouais, mais attention, par rapport à la deuxième vague, faut pas dire n'importe quoi et tout. Non, mais c'est vous qui êtes allé le chercher, qui lui avait posé des questions ciblées. Il vous a répondu comme il fallait, et l'autre, il recadre derrière parce que le journaliste ne l'a pas fait ou n'a pas réussi à le faire. Ouais. Et voilà, donc on en est là. Pourtant, je veux dire, non à la chloroquine, et bien justement, je pense que pas mal de gens ont vu cette vidéo parce qu'ils se l'ont envoyée dans les réseaux sociaux, quasiment tout le monde l'a eu, mais ouais, je vais la repasser, hein, parce que ça vaut le coup quand même. Hein. Voilà, pourtant, donc chloroquine, ouais, mais non. Oh. Livraison de masques à l'Institut Curie. Ils sont sympas, les Chinois, t'es moi. Oui. Ils mettent des petits messages. Unis, nous vaincrons. Ça arrive de Chine, ils mettent des petits messages en français au calme. Ça, c'est pour les masques. Mais c'est pas ça, le bail. Ouais. Regardez ça. 70 kilos en baril. De chloroquine. Oh bah tiens. Voilà. Donc soi-disant, Raoult là, c'est un gourou. Ouais. Voilà. C'est je sais pas qui, on le fait passer pour je sais pas quoi. Mmh. Et ça va où tout ça? Oui, ça va où? Pharmacie centrale des armées. C'est ça. On soigne les militaires. Voilà. Alors c'est bizarre. C'est bizarre tout ça, non? Ah là là.
Donc vous l'avez tous vu, hein, cette vidéo, je pense. Donc c'est ça, on en est là. Alors, donc cette vidéo a beaucoup circulé, hein, donc ça a fait le buzz au point que même les autorités normales, donc, en ont parlé, hein. Donc quand on voit même France Info qui en parle comme ça, voilà. Ah mince, je suis désolé, il n'y a pas le son. Ah, il n'y a pas le son. Je suis désolé. Attendez, je vous corrige ça tout de suite. Attendez, je vous remets le son. Donc voilà. Hop. Et c'est reparti. Alors, peut-être pas le début. Oh, je vous le remets, s'il te plaît. Voilà. Donc il y avait le début de la vidéo que j'ai juste de voir. Borokine. Voilà. Et ça va où tout ça? Oui, ça va où tout ça? Pharmacie centrale des Toujours. armées. Voilà. On soigne les militaires. C'est Le ça. ministère des Armées l'a confirmé, il a Donc bien France Info. commandé des sels de chloroquine provenant de Chine. Ils permettent de fabriquer l'hydroxychloroquine, le fameux traitement recommandé par le docteur Raoult contre le Covid-19. Voilà. Et voilà comment le ministère le justifie. Dans le contexte de forte tension des approvisionnements de matières premières à usage pharmaceutique, le ministère des Armées a réalisé un achat de précaution si jamais la chloroquine se révélait validée par les autorités de santé comme étant utile pour lutter contre le Covid-19. En fait, la pharmacie centrale des armées qui a fait cette commande Voilà. dépend du ministère des Armées. Elle produit et elle stocke des substances pour les militaires, mais qui peuvent aussi servir pour les civils en cas de crise. Ouais, voilà. C'est C'est au elle cas qui où pour produit nous par aussi. exemple l'iodure de potassium qui est recommandé en cas d'accident nucléaire. Voilà. Avec cette commande de Celle qu'on n'a chloroquine, pas eu le à Tchernobyl, ministère des rappelez. Armées affirme: nous ne faisons rien en parallèle des autorités Non, de ben non. santé. En aucun Petite cas, nous n'avons précision. acheté ça pour créer un médicament de manière indépendante. Ben non. Alors justement, que disent les autorités de santé aujourd'hui? Ah ouais, Eh qu'est-ce bien, qu'ils disent? l'hydroxychloroquine peut être utilisée contre le Covid-19, mais dans des cas très restreints, en Ouais. phase sévère, à l'hôpital, Ce et qui est après contre ce décision que dit collégiale des Ram. médecins. Conclusion, la pharmacie centrale des armées a bien fait un stock de chloroquine, Ouais. mais elle affirme que c'est par précaution et pas pour l'administrer à ce jour. Bref, voilà. On en est là. Hein. Donc, comme vous avez pu voir, je sais pas quoi vous dire. Hein, j'en pense pas moins, comme on dit. Voilà. Donc, la fameuse campagne de désinformation, enfin, de vérification. Et quand c'est trop gros, ben, on motive par une excuse bidon. 70 kilos. Pour toute la population, pour les civils au cas où. Non, mais vous nous prenez vraiment pour des débiles, quoi. Oui, non, c'est au cas où. On prend 70 kilos avec de chloroquine pour faire pour la civile si ça devient officiel. Si le gars n'avait pas fait la vidéo, il serait passé quoi concrètement? Je sais pas. Ouais, 70 kilos de chloroquine pour 65 millions d'habitants. Enfin, on est beaucoup moins maintenant, puisque avec les 25 000 morts. Ah là là. Donc, bref, Voilà, donc c'est le ce genre de communication qu'on a effectivement autour du personnage, donc par la Macronie, hein, qui tourne autour. Donc c'est pour ça qu'on en parle, on en parle dans ces termes-là, d'accord? Il vaut mieux pas en parler, on ne parle plus de ça. Bref, on est vraiment dans la configuration où ça devient tabou presque de parler de Raoult. Il y avait même des en temps réel. L'autre con de pédophile, pardon, comment il s'appelle? Ah, je sais plus, Cohn-Bendit, voilà, qui effectivement disait qu'il fallait qu'on fasse une journée sans dire un seul mot, d'essayer de faire une journée sans dire Macron, là, sans dire, oh, pardon, le lapsus, sans dire Raoult, quoi. Et ils en étaient à ce point-là, ils en avaient marre, etc., qu'ils se mettent en avant, etc. Mais il a les moyens de se mettre en avant, il a les arguments pour se mettre en avant. Donc, ben voilà, enfin bon, justement, ben apparemment pour s'exprimer librement, il pouvait utiliser que son compte YouTube, enfin ses réseaux sociaux. Donc, prenons un exemple, effectivement. Donc, moi, ce qui m'a un peu rassuré, enfin rassuré, c'est comme je disais à la dernière vidéo, j'espère que Macron, en fait, n'oublie pas, mais regardait la chaîne YouTube de Raoult. C'est pour ça qu'il aurait fixé au 11 mai. Parce qu'en fait, Raoult parle, effectivement, de la possibilité de déconfiner. Et là, je le trouve plutôt rassurant. Pardon, comme Et d'habitude. donc, bien sûr, encore une fois, les prévisions sont à prendre avec précaution, Voilà, mais toujours. les dates qui ont été fournies par le président ne sont pas extravagantes, dans le sens où cette étude prédit que Le truc qui ne pas de chiffres, hein, qui ne fait aucun 97% recul. des cas auront eu lieu aux alentours du 7 mai et 99% aux alentours du 19 mai.
Donc on est dans la marge de, effectivement, au moment où on devrait pouvoir faire du déconfinement et organiser d'isoler seulement les gens positifs, sachant qu'il est vraisemblable qu'à ce moment-là, la transmissibilité du virus sera devenue beaucoup plus faible. Voilà, ça c'est des données réelles, encore une fois, c'est pas des fantasmes sur la maladie. Hein. Donc le rebond, je ne sais pas d'où ça sort, ça le fait qu'il faut 70% d'une population immunisée pour la contrôler non plus, c'est des chiffres entièrement virtuels. C'est pas comme ça que ça se passe, en revanche, ce que je vous donne là, c'est juste des données d'observation, et des observations que vous pouvez avoir sur à peu près toutes les épisodes épidémiques, c'est comme ça, vous savez, ça existait du temps de la variole, du temps de la rougeole, il y avait des épidémies, puis s'arrêtait, épidémie, s'arrêtait. C'est comme ça, pour des raisons qu'on connaît très mal, peut-être que l'avenir nous permettra de mieux comprendre les relations entre l'écosystème et la transmissibilité des maladies infectieuses. Voilà, donc ça, bon, là, c'est la partie rassurante, je veux dire, rassurante, mais c'était quand même un documentaire qui, enfin, une publication qui datait du 28 avril. Il avait déjà annoncé que ce serait le 11 mai, machin, donc... et puis, comme il vient de le dire, il fait une corrélation par rapport à la date qu'a annoncé le président. Donc, bon, voilà, c'est dommage. Donc, il ne regardait pas la chaîne YouTube de Raoult, ou alors il la regardait parce que c'est le fameux phénomène de cloche. Allez voir sur sa chaîne, il y a toutes les vidéos qui expliquent, qui bien titrées, qui expliquent effectivement la fameuse cloche de contagion, etc. Mais dans ma vidéo précédente, donc là où je disais pour la déresponsabilisation et puis surtout le bilan, il y avait une partie qui expliquait qu'à 4 jours près, on pouvait aller de 800 à 3000, de 3000 à 8000 morts, et qu'on aurait pu éviter si on avait confiné, par exemple, 4 jours avant. Comme quoi, quelques jours, quand même, c'est décisif. C'est décisif. Donc, c'est très décisif. Donc là, toujours pareil, ils vont s'excuser, la Macronie, en disant « Ouais, mais on n'avait pas les chiffres, on n'avait rien. » De toute façon, on n'a pas envie de les écouter, les chiffres, parce qu'en fait, quand on le voit, là, les chiffres... C'est qu'il y a plusieurs phases dans la maladie. Maintenant, on la connaît bien, cette maladie. Voilà, eux, ils la connaissent. Surtout nous. Hein. Il faut reconnaître qu'il y a quelques chiffres que l'on a là. Les fameux chiffres. Il y a 25 000 personnes qui sont venues se faire détecter ici, hein, dont 16 000 qui étaient symptomatiques, 1 000 personnels hospitaliers. Les taux de positivité ont culminé jusqu'à 22%. Actuellement, on voit bien que ça diminue parce qu'il n'y a plus que 5-6% de positifs. On a fait maintenant plus de 6 000 sérologies. Vous en donner les résultats qui expliqueront pour ce qu'on pense auprès de pour les patients. On a testé aussi les personnels exposés. On n'a que 3% de personnes qui étaient exposées ici à l'IHU qui ont des anticorps. Donc la protection et les mesures qui ont été prises ici pour ne pas être contaminés sont très bonnes parce que c'est l'équivalent de ce qui se passe dans la population générale. Donc les gens qui ont travaillé ici avec nous n'ont pas été plus exposés. On a suivi à peu près 4000 patients ici infectés. C'est ce qui en fait encore une fois une des plus grosses séries mondiales, hein, ou peut-être la plus grosse. 3300 ont été suivis en hôpital de jour et 630 ont été hospitalisés. Avec ça, Bernard Scola fait un travail exceptionnel. Personne n'en parle. Je vous laisse regarder la vidéo. C'est la celle du 28 avril là, qu'il a faite, résume bien ce qui va se passer avant le confinement. D'ailleurs, ça s'appelle donc, elle nous parle du déconfinement et de la fameuse deuxième vague. Donc voilà. Mais en fait, des trucs, personne n'en parle, c'est toujours forcément un médicament ou un vaccin à chercher. Raoult dit encore, il n'est pas tout seul dans l'équipe. C'est marrant parce qu'ils disent, ouais, il est tout seul, il s'envoie des fleurs, etc. Ben, on a vu Véran tout à l'heure. Hein. Donc voilà. Ben là, Raoult, lui, il parle de ses autres équipes. Il parle effectivement que ça n'aurait pas pu être possible sans ça. Bah, 9-10%. J'ai téléphoné à un collègue à Paris qui m'a dit on voit la même chose, 9-10%. Mais parce qu'ils ont un réseau de tous les réanimateurs entre eux, où ils s'échangent les informations qu'ils ont au fur et à mesure, qui ne sont pas encore publiées. En particulier sur la coagulation, c'est-à-dire qu'il y a gros troubles de la coagulation, ils ont changé leur thérapeutique, ils ont adapté à cette maladie en donnant des anticoagulants le plus tôt possible pour éviter les embolies pulmonaires qui sont une des causes de mort brutale. Ils ont aussi utilisé, hors protocole, des médicaments qui permettent de contrôler la réponse immunitaire. Maintenant, les protocoles vont être passés. Enfin, s'il y a des utilisations, il faut sauver les gens. Donc, cette réponse immunitaire qui est devenue folle, il faut la contrôler. Il y a des médicaments pour ça.
Donc pour aider au contrôle de cette folie militaire, il faut utiliser ces médicaments, même s'il n'y a pas d'effet de truc randomisé, parce qu'il est question de sauver la vie des gens dans une situation qui est compassionnelle. C'est ce qu'on appelle de la thérapeutique compassionnelle. Donc il faut se servir de ces outils-là sur les thérapeutiques compassionnelles, c'est-à-dire que quand on a des situations aussi graves, il faut utiliser tout ce que l'on peut utiliser pour sauver les gens. Donc tout ça, cette approche-là, et la qualité de la réanimation française qui a eu une réaction incroyable, parce que les réanimations ont été débordées, il y a eu des réanimations qui ont été installées dans des conditions qui sont quasiment des conditions de guerre. Le résultat de ça est tout à fait exceptionnel. C'est ça. Donc lui, il envoie des fleurs aux vraies personnes, celles qui doivent avoir les fleurs, entre guillemets. Là, c'est chaud, parce qu'en fait, alors on dit Raoult se met en avant, et genre lui, il a inventé tout seul, il se bat tout seul contre le coronavirus. Non. Voilà. Toute une équipe, un CHU, un centre de recherche, voilà. Donc tous ensemble. Donc le diagnostic pour ceux qui étaient asymptomatiques, en fait, ben, si on fait les radios des poumons, hein, en mode radio... les scanners comme il faut, en fait, on découvre qu'effectivement, ils ont été touchés par le coro. Alors, faux positif, enfin, faux négatif plutôt, parce qu'en fait, ils étaient impactés et on le voit que dans les poumons. C'est impressionnant. Ça, on le découvre dans sa vidéo, hein, donc sa méthode de travail, etc. Alors, quand les autres nous disent, ouais, mais on n'y croit pas ce qu'il dit, etc., etc., donc ceux de la Macronie, hein, les suppos et tout le carcan des experts spécialistes, etc. Voilà, justement, les experts spécialistes, eux, ils ont leurs médicaments qu'ils veulent vendre à la place de la chloroquine en disant n'écoutez pas lui, écoutez-nous. Ben, j'aime bien la réponse qu'il leur fait. On aurait pu avoir, honnêtement, 30% de morts en plus s'il n'y avait pas eu la qualité de cette réanimation et la qualité de la prise en charge. Donc, ça, je pense que c'est très bien et que beaucoup de gens ont été sauvés parce que la qualité de la réanimation, quand on était à ce stade-là, a été extraordinaire, qui n'était plus un stade virologique. Voilà, donc ça c'est toujours pour la réanimation. Donc là je vous parlais plutôt effectivement du fameux médicament plein d'espoir, pas testé, pire que le test de la chloroquine, etc. Donc voilà, donc il demande son avis effectivement à Raoult, ce qu'il en pense de la solution entre guillemets officielle. Moi j'ai toujours pensé que c'était juste une question de temps, si vous voulez. Les Chinois ont beaucoup communiqué sur ce problème-là parce qu'ils étaient très en avance. Et ils finissent par sortir petit à petit toutes leurs études. Toutes leurs études montrent que, un, le médicament de Gilead, sur lequel la France a beaucoup misé, qui est le Remdesivir, ça ne marche pas. Donc, il y a vraiment une énorme étude multicentrique qui a été faite contre placebo, qui montre que ça ne marche pas. Immédiatement, celui qui est le leader de ce test aux États-Unis, enfin aussi, sans le moins de publication, a dit si ça marche, mais sans moins de publication, ça ne permet pas de sauver de vie. Donc on sait maintenant, aussi bien sur l'étude des États-Unis que sur l'étude chinoise, que le Remdesivir ne permet pas de sauver les gens. Il n'y a pas de différence de mortalité, ce n'est pas un médicament qui sauve les gens. Donc c'est une chose. C'était déjà vrai sur le lopinavir, qui était la deuxième branche qui avait été testée ici. Ça ne sauve pas les gens. Donc c'est deux médicaments qui ne sauvent pas les gens. Le troisième point qui se passe, c'est alors et les autres à base de chloroquine. Oui, pour l'instant, ce que l'on voit, c'est qu'il y a un gros travail qui a été fait en Chine, encore une fois, sur plus de 500 personnes chez des malades très, très affectés, avec une mortalité très lourde, et que dans ces conditions, la mortalité était divisée par deux. Donc c'est les seuls pour l'instant à avoir des résultats significatifs sur la mortalité. Un énorme travail vient aussi d'être publié qui confirme ce qui avait été dit par le professeur Zhang depuis le début. C'est que quand on donnait de la chloroquine à 500 mg ou à 1 g par jour, on améliorait de manière significative les signes cliniques et on faisait disparaître le virus beaucoup plus rapidement que quand on ne donnait pas de chloroquine. Voilà. Donc, voilà, vous avez compris, c'est pas la chloroquine, c'est pas le vaccin, c'est pas le truc miracle qui te ressuscite, comme j'ai dit dans mes toutes premières vidéos, mais ça empêche l'aggravation. Donc, moins d'aggravation, moins de réanimation, plus de chances de s'en sortir. Donc, c'est ça, et pourtant le battage qu'ils ont fait sur lui, maintenant il n'y a plus de battage, la politique est inverse, donc à savoir on ne parle plus de lui,
Bah, lui continue à parler. Donc là, c'était donc sur le même document du 28 avril, hein, sa publication sur Facebook. Tout ça, c'est des extraits de ça, truc. Je vous laisse le lire. Hein. Donc allez voir par vous-même ce que ne relaie pas BFM TV et tout le circuit macronien. D'accord. Donc voilà. Et donc effectivement, à l'argument la toxicité, la chloroquine, ça donne des crises cardiaques, ça tue des gens, etc., etc. Il a une réponse aussi, parce qu'il l'a testé, lui, hein, il n'a pas imaginé. Nous, on a trouvé avec le scanner que 65% des gens qu'on disait asymptomatiques avaient des lésions au scanner, donc ils n'ont pas été diagnostiqués. Voilà. Et donc, chez nous, les gens qui ont été diagnostiqués avec un Covid, qui avaient déjà des images au scanner, on veut les revoir pour voir s'il y a une évolution, vers une insuffisance respiratoire et vers des images spécifiques qui ont été vus chez les gens qui étaient en réanimation, mais qui sont plausibles aussi chez les gens qui avaient des formes qui, cliniquement, n'étaient pas très parlantes, mais qui avaient des lésions qui étaient visibles sur le plan du scanner. Ouais. Ça, c'est notre prochaine étape, c'est d'essayer de faire le point sur les séquelles de ça, de le détecter, de voir s'il y a des traitements à leur donner, parce que c'est ça la suite de l'histoire. C'est plus l'épidémie d'infection aiguë, c'est... Ça, c'est les séquelles, la fameuse deuxième vague. Les gens qui ont été infectés. Ça serait plutôt ça, la fameuse deuxième vague. la deuxième vague, ce serait ça plutôt, les séquelles du corps. Donc, c'est des études qui sont énormes, basées sur beaucoup de gens. Oui, alors ces fameuses toxicités. Qui montrent ce que nous, on savait déjà, qu'on avait bien compris, c'est que la chloroquine et l'hydroxychloroquine ont un effet antiviral. Et un effet aussi anti-inflammatoire, c'est la raison pour laquelle ils sont utilisés, qui fait que c'est probablement le seul groupe de médicaments qui peut jouer un rôle au début de la maladie et à la fin de la maladie, c'est-à-dire quand il y a des virus et quand il n'y en a plus, il y a une réaction inflammatoire. Et il y a un travail qui a été fait, alors je ne sais pas s'il est déjà publié ou pas, qui montre que les pays qui ont utilisé la chloroquine ou l'hydroxychloroquine comme traitement, ont eu une évolution de la dynamique des morts plus lente que les pays qui n'ont pas voulu l'utiliser. Ce qui explique peut-être pourquoi les pays d'Extrême-Orient et les pays du Sud ont eu moins de morts que l'Europe et les États-Unis qui ont un nombre de morts qui est extrêmement plus important que les autres pays. Voilà, donc c'est le point sur les traitements, de manière tout ça se mettra... tranquillement en place petit à petit et on verra bien une fois qu'on aura la synthèse de tout ça, mais je n'ai pas beaucoup de doutes sur le résultat, je n'en ai pas depuis le début. Quelles leçons pouvez-vous tirer avec les dernières concernant avec vos données concernant la mortalité et la spécificité de la mortalité par coronavirus? Donc la mortalité en fonction de la prise en charge et du nombre de patients que l'on teste dépend beaucoup, elle varie. Chez nous, par exemple, on a chez les gens qui sont traités par hydroxychloroquine et azithromycine, on a une mortalité très basse qui est de l'ordre de 0,5%, qui est très très basse. Mais il y a l'équivalent en Islande, où il y a eu une prise en charge très très tôt, un test massif de population, et pareil, une mortalité qui est de cet ordre-là. Si on regarde dans l'ensemble, parmi tous les patients qui ont été hospitalisés, qu'ils soient traités par hydroxychloroquine, azithromycine ou non, certains avaient des contre-indications, etc., il y a eu un seul mort de moins de 65 ans. Donc on voit que le risque dans la population qui n'a pas de facteur de risque, que ce soit l'âge avec hypertension, le cancer, de mourir est extrêmement faible. Donc ce n'est pas une maladie très grave, à part chez les gens qui déjà étaient très touchés par les autres infections virales respiratoires. Donc tout le délire autour de la gravité monstrueuse de cette maladie est aussi une autre forme de délire déraisonnable. C'est pas vrai, bien entendu. C'est les gens qui étaient déjà âgés, qui avaient des autres pathologies. On sait que beaucoup l'hypertension, le diabète jouent un rôle important. Mais globalement, ça ne présente pas à la fin une surmortalité particulièrement exceptionnelle.
Donc, c'est grave chez les sujets qui sont déjà à risque. Il fallait essayer de détecter le plus tôt possible et traiter le plus tôt possible avant qu'il y ait des insuffisances respiratoires très importantes. Chez les enfants, ici, il y a eu 150 enfants qui ont été hospitalisés. Un travail qui vient d'être soumis. Il n'y en a aucun qui a présenté de grandes difficultés. Donc, si il existe des formes exceptionnelles de gravité chez l'enfant, c'est bien possible. Enfin, on ne les a pas vus ici, donc c'est probablement pas extraordinairement commun. La contagiosité de cette maladie ne paraît pas non plus aussi extraordinaire que ce qu'on disait. On peut estimer, probablement, sur les données préliminaires que nous avons, les données préliminaires des pays dans lesquels on a réalisé beaucoup d'évaluation, que peut-être 3% de la population a été touchée. C'est beaucoup moins qu'une grippe, par exemple. Donc, c'est ça. La contagiosité n'a probablement pas été extrême. Elle est probablement de plus en plus basse, puisque là, on est en fin d'épidémie. Oui, voilà. La mortalité a été relativement modérée. On verra, on fera le point quand tout sera disponible. Bien entendu, on peut faire tomber la mortalité si on détecte les gens et qu'on les soigne. Si on les laisse mourir, il y a plus de chances qu'ils meurent. C'est ça. Voilà, mais donc globalement, c'est ça. Je vous rassure, on n'a eu aucune toxicité avec l'hydroxychloroquine, mais là non plus, on n'attendait pas qu'il y ait une toxicité. C'était un fantasme. Je ne sais pas d'où il est parti. Est-ce que c'était juste un fantasme pour promouvoir le Remdesivir ou pour ne pas vouloir reconnaître qu'on n'avait pas pris cette option? J'en sais rien. Et ce n'est pas raisonnable. Ce qu'on a redécouvert à cette occasion aussi, c'est l'importance des scans. Des scanners low dose pour ne pas irradier trop les gens, il y aura une réflexion certainement du pays à avoir pour avoir un équipement en scanner suffisant. On est un des pays qui a le plus bas niveau d'équipement en scanner. Alors en plus, lui, il rajoute l'option pour être efficace, ce qu'on n'a pas. Donc on a parlé dans la dernière vidéo, les masques, les tests, les respirateurs, les scanners. Voilà. Mais bon, ça on n'en parle pas, ça sera la dernière étape. Quand, au mois de septembre, on parlera peut-être des scanners. Les scanners. Oui, le dernier outil qui pourrait aider à l'après-Covid, enfin la transition Covid, parce qu'effectivement, il est peut-être plus contagieux, mais il faut traiter les séquelles du Covid. C'est pas juste une petite toux, donc ça attaque les poumons et violemment, apparemment. Bref, en attendant, si on fait un petit sum-up, je vais mettre le lien de comment il s'appelle, vous voyez là, il parle comme ça, c'est un gars, il n'est pas là en train d'affirmer, c'est moi le meilleur, fermez vos gueules, non. Il dit, moi, de mon point de vue, je vois ça. Voilà en gros ce qu'il dit. Et en fait, j'ai trouvé une vidéo où il fait la compilation des différents échanges. Il a toujours été comme ça, en fait, le mec. Donc, quand on voit ça... Pour les virus, notre capacité à contrôler la diffusion, donc la contagion actuelle, est très faible. On ne sait pas lutter contre ça. Si un virus mutant apparaît, un virus respiratoire mutant, avec la même contagiosité, compte tenu de notre incapacité à lutter contre la contagion, parce qu'on ne sait pas le faire... Voilà. Par manque de connaissances et aussi par manque d'organisation sociale, on ferait face à un désastre considérable. Mais vous n'avez pas le sentiment d'avoir pensé que ce serait moins important que ça ne l'est devenu? C'est ça. Vous savez, je vous suggère de vous méfier, et c'est seulement quand on aura les comptes qu'on saura. C'est ça. Ouais. Et les comptes, on les verra bien. C'est le fameux interview de FN. Je ne veux pas vous faire de peine, mais je n'ai pas besoin de vous pour dire ce que j'ai à dire. si vous voulez, c'est que les seuls traitements qui sont utilisés aux États-Unis, c'est l'hydroxychloroquine et l'azithromycine. C'est les seuls médicaments qu'utilisent les médecins. Il y a un institut de sondage qui sonde tous les médecins du monde. Dans 57% des cas, ils utilisent l'azithromycine et la chloroquine, vous le recommandiez ou pas. En France, on prescrit pareil. Donc tous les médecins, quand on leur dit, écoutez, il y a quelque chose qui donne des résultats et qui ne présente pas de risque, puisque c'est des médicaments les plus banals du monde. La chloroquine, l'hydroxychloroquine, c'est les médicaments les plus prescrits au monde après l'aspirine. Il s'est vendu en 2019 36 millions de comprimés de plaquenil sans que personne n'y trouve rien à dire. Exactement. Et là, on fait une communication tous les jours en disant que c'est un poison mortel, mais c'est qui je ne sais pas, il faut demander au directeur de la NSM comment il en est arrivé là. Pourquoi il n'a pas dit c'est une fake news? Il aurait dû dire c'est une fake news, c'est pas possible. C'est qu'il ne connaît pas un médecin praticien. Il y a un papier. Ils ne suivent pas l'autorité. Mais on ne peut pas la suivre. Quand on vous dit qu'un truc est un poison mortel qui tue et que vous avez une série là qui est online, dans lequel les gens ont étudié 900 000 personnes traitées par
L'hydroxychloroquine. Aux mêmes doses que celles que vous avez. Bien sûr, c'est des doses que moi j'utilise depuis des années, c'est les doses qu'on utilise pour les lupus ou pour les arthrites rhumatoïdes. Voilà. Donc, et qu'ils ne voient aucun accident cardiaque sur 900 000 personnes. Non, mais vite, c'est des études, avant de refaire des études comme ça, il faudra en faire. Donc je sais plus ce que c'est la sécurité. Si ça, c'est pas sûr, alors on sait plus ce que c'est. Donc tout ça n'est pas raisonnable. Honnêtement, si un jour on se met à réfléchir sur l'histoire de l'hydroxychloroquine, qui est quand même l'histoire moi, la plus fantasque que j'ai entendue en médecine de ma vie. D'accord. C'est-à-dire un médicament qui existe depuis 80 ans, qui a été prescrit peut-être à un tiers de la population du monde, qui en France est vendu à 36 millions de pilules par an, et d'un coup, il y a toutes les autorités qui commencent à dire que c'est un truc épouvantable, criminel, qu'on va mourir tous d'arythmie cardiaque parce qu'on prend ce truc. C'est le truc le plus fantasque que j'ai jamais vu. J'ai jamais entendu parler d'un truc aussi fantasque que ça. C'est inouï. Inouï. C'est incroyable. Vous êtes dans le livre, vous défendez les OGM, vous égratignez Darwin en affirmant qu'il a écrit un tissu de bêtises, vous doutez de la catastrophe climatique à venir. Vous pensez aussi que les féministes, que les combats féministes n'ont joué aucun rôle dans l'émancipation des femmes. J'ai lu ça entre autres. Alors, il nous reste quelques minutes. Le climat. Je ne crois pas, écrivez-vous, je ne crois pas aux prophéties apocalyptiques sur le réchauffement de la planète. Vous me demandez si je suis sceptique. Je vous répondrai oui. D'ailleurs, je suis étonné que ce soit devenu une insulte de dire à un scientifique qu'il est sceptique, franchement. Je ne suis pas croyant. Si j'étais croyant, je ferais autre chose. Donc, si vous voulez, je ne crois pas en la science, je la pratique, si vous voulez, mais les sciences sont évolutives. Donc, bien sûr, je suis sceptique pour ça. Je suis capable de changer d'avis. Sur un consensus. Tous ceux qui travaillent sur le réchauffement climatique, bien sûr, ils sont d'accord. Sinon, il faut autre chose. Mais si vous demandez aux géologues qui sont le plus proches de ça, ils sont férocement distants vis-à-vis de ça. Vous prenez les plus grands géologues français, ils ont tous pris des positions qui sont très, très distantes. Est-ce qu'ils ont compétence en matière de climat ? À côté du climat, la chose la plus importante pour l'archéologie du climat, c'est la géologie, quand même. C'est quand même ce qu'il y a de plus compétent. Donc, vous avez remarqué, mais un changement de définition, les gens ne parlent plus de réchauffement climatique, mais de changement climatique. Oui. Ce qui est lucide, parce qu'il y a une partie dans l'hémisphère sud qui refroidit très, très rapidement. En particulier, la banquise antarctique augmente de taille. Voilà. C'est pour ça que tout ça manque beaucoup de science, en réalité. Les gens qui se prétendent scientifiques ne sont pas des scientifiques du tout. Il suffit de regarder leur épreuve de titre et bien vous comprendre. Moi, je suis un vrai scientifique. Et puis, en plus, je suis un épistémologiste, c'est-à-dire que j'étudie l'histoire des sciences. Et je fais des cours d'épistémologie depuis 25 ans. Qui est l'Iran dans lequel c'est contrôlé maintenant pour les mêmes raisons. Ils ont distribué la chloroquine comme des malades, ils ont contrôlé la maladie. Et ça ne vous rend pas dingue de voir qu'on a le traitement, enfin en tout cas à vos yeux, le traitement il existe, il pourrait permettre moins de morts et on ne le fait pas ? J'ai dit comment je traitais les gens. Voilà. Encore une fois, si vous ne réalisez pas qu'il y a 57% des médecins du monde qui utilisent ce traitement, que c'est le seul qui est utilisé aux États-Unis. Il paraît même, je sais pas si c'est sur votre télévision, là, que Agnès Buzyn a prescrit à un producteur de télévision. Donc c'est quand même que j'ai une influence sur la prescription. Mangez, voilà. Donc ce mec-là, avec la Macronie qui lui tombe dessus, il répond comme ça. Alors c'est sûr, ça les énerve. C'est sûr, ça les énerve. Ça j'avoue que... Bravo, chapeau Didier Raoult, parce que là, franchement, gardez patience face à ça, toutes ces attaques et tout, continuez. À travailler comme ça, à continuer dans sa ligne, et en fait apparemment démontrer par A plus B, par démonstration hein, scientifique, que finalement il n'a pas si tort que ça, et que, bon, il accuse personne, mais bon, c'est vrai, comme il dit, si on avait appliqué ce genre de traitement un peu plus tôt, on ne serait peut-être pas à 26 000 morts. Hein. Bref, voilà, donc après on peut se poser la question, mais bref, la France, donc on ne prescrivait pas, finalement on prescrit. Les médecins n'ont pas suivi les ordres, heureusement, j'ai envie de dire, pour beaucoup, mais ils n'ont pas suivi les ordres avec les stocks qu'ils avaient, parce que comme ça a été réquisitionné, etc., etc., bref, vous savez comment ça s'est passé pour la chloroquine, vous voyez, on les livre en loose day aux casernes, mais on fait croire que non, c'est pas pour ça, non, ah d'accord, ok. Mais bref, voyons dans d'autres pays comment ça se passe concrètement. Nos voisins, je voulais voir le chiffre de morts des Suisses. Si vous le trouvez, mettez-le dans le commentaire. Je n'ai pas eu le temps de chercher. Et puis là, comme on est bientôt à une heure pile poil de vidéo, moi je voulais faire plus court. C'est encore raté. Allez, la dernière quand même. En Suisse, comment ça se passe ? Regardez les chiffres que révèle notre enquête. En Suisse, les patients traités à la chloroquine sont 40% au CHUV. Voilà. Ils sont plus de 50% au HUG à Genève. La part atteint même 85% aux soins intensifs dans cet hôpital. Les médecins estiment qu'il n'y a pas de preuves.
Mais l'emploi du médicament, visiblement, est tenté très largement. Fabiano Citroni. Heureusement, les gars. C'est un visage devenu célèbre ces dernières semaines. Didier Raoult est ce médecin français qui ne jure que par la chloroquine pour lutter contre le Covid-19. Sa voix compte. Et ce n'est pas pour rien que le président Macron lui a rendu une visite surprise hier dans son hôpital à Marseille. La polémique fait rage autour de la chloroquine, sur son efficacité, ses effets secondaires. En Suisse, on parle moins de ce médicament, mais on l'utilise beaucoup. C'est ce que révèle notre enquête. Au CHUV à Lausanne, il a été administré à 40% des patients. Aux hôpitaux universitaires de Genève, à plus de la moitié. Principalement, c'est l'ensemble des patients qui sont admis aux hôpitaux avec une pneumonie. Chez tous ces patients, on considère immédiatement de donner un traitement et la chloroquine en fait partie. Exactement. Pourtant, et ça peut sembler paradoxal, l'efficacité de ce médicament n'est pas prouvée. Il faut aussi admettre que dans une épidémie comme celle-là, on a travaillé avec l'inconnu. Donc c'est pas parce qu'un médicament n'a pas forcément fait preuve de toute son efficacité qu'on ne devrait pas le donner si la balance est en faveur du doute. Pour lever ce doute, nous avons appris qu'une étude pourrait bientôt être lancée dans 5 cantons. Vaud, Valais, Fribourg, Berne et Aarau. Elle porterait sur 800 personnes positives au Covid-19, mais pas hospitalisées. Le but, c'est de tester l'efficacité de la chloroquine pour réduire les complications, les hospitalisations secondaires, peut-être même les décès. Donc en fait, savoir si la chloroquine elle est efficace en milieu ambulatoire, c'est-à-dire avant que les patients arrive à l'hôpital. Merci. En Suisse aussi, on l'a compris, beaucoup d'espoirs sont placés dans la chloroquine. Voilà. Professeur Calmi, bonsoir. Bon, je vous laisse le lien, l'interview de la professeure hein, qui explique la même chose. Hein. Ils font un peu à la BFM, mais vous êtes sûr, professeur, tout ça. Allez voir la vidéo, il y a pas beaucoup de temps là, de vision, mais voilà. Donc, c'est ça. Donc, les Suisses, eux, c'est pas nocif et que ça peut marcher, pourquoi pas, ils y vont. Ils n'attendent pas la validation de Buzyn, de Véran, de Big Pharma, des potes à Macron et de la Macronie. Voilà. Alors, allez chercher les chiffres des morts suisses. Donc depuis le début, plus de la moitié de la population, et comme disait l'autre, l'ensemble en fait, hein, on met la couche, machin, et c'est la bithérapie, c'est pas que la chloroquine, c'est un mélange avec un antiviral, enfin... Voilà, et jamais Raoult a dit non, surtout pas comme ça, sinon ça foire. Non, il n'a jamais fait ça, Raoult. Bref, voilà, donc c'était un petit topo hein, avant déconfinement, de toute la communication qui a été faite contre lui, pour quelqu'un qui avait proposé une solution. Il n'avait jamais dit que c'était la solution, mais que ça pouvait aider à combattre. Voilà, donc effectivement, le fait de ne pas s'aggraver en prenant de la chloroquine, un médicament vendu. 37 millions de pilules, machin, à 10 centimes la pilule, etc., en libre-service, il n'y a pas longtemps. Voilà. Donc, c'est un exemple de la crise, de la gestion de crise, que maintenant, avec l'amnistie Covid, on ne pourra pas aller chercher les explications par rapport à ce traitement, par rapport à pourquoi est-ce qu'ils lui ont fait ça et pourquoi on n'a pas fait comme les Suisses, par exemple. Hein, d'autres pays, il n'y a pas que les Suisses. Là, je ne suis pas allé chercher Taïwan, enfin, je ne suis pas allé chercher la Corée du Sud, ou je ne suis pas allé chercher les Grecs, apparemment. Ils ont traité par confinement avancé, ils n'ont pas attendu les fameux 4 jours, allez voir la vidéo précédente, là, donc, sur la déresponsabilisation, il était surtout le bilan, hein, donc dans quel état on va se reprendre. Donc voilà, donc cette vidéo c'était vraiment centralisée sur Raoult, un gars qui a proposé quelque chose, qui dans son CHU et dans son environnement a apparemment apporté des solutions. C'était le fameux statistique qu'on n'avait pas dans toutes les cartes et les chiffres qu'on avait. Dès que c'était Marseille, ils ne comprenaient pas, il y avait un bug, il n'y avait pas autant de mortalité que la région parisienne et tout. Voilà, donc on en est là. Donc merci Didier Raoult, merci d'avoir proposé une solution, merci aux autres pays de l'avoir appliqué, pas merci à la Macronie de nous avoir enflé sur le sujet jusqu'à maintenant, pas merci à la Macronie en fait de nous avoir dit tant qu'on l'a pas validé nous, fermez vos gueules, hein. Donc voilà, d'avoir fait carrément de la désinformation sur le sujet. Ouais, les Américains, il y a eu un mort, vous avez vu dans quelles circonstances il y a eu le mort. Bref, voilà, revoyez la vidéo si vous voulez. Si c'est long comme ça, c'est parce que justement j'ai pris des extraits. Donc voilà, c'est ça. Donc merci Raoult, donc, le Gaulois irréductible face à la Macronie. Hein. Donc j'ai envie de dire Raoult là,
avec panache, monsieur Cyrano de Bergerac, contre la Macronie. Franchement, bravo. Bravo. Malheureusement, on ne vous a pas écouté. Malheureusement, vous n'avez pas pu l'étendre à l'échelle mondiale. C'est dommage. Voilà, c'est dommage. Il y aura tous ces morts. Peut-être que c'était prémédité pour nous vendre après un vaccin super cher que Big Pharma et tous ses potes auront donné la commission effectivement à la Macronie pour qu'ils puissent finalement faire la promotion. Et on aura un Roselyne Bachelot 2 avec Véran qui viendra nous vendre. Ça y est, on a le vaccin de la chloro, enfin du contrôle coro à 13 millions d'exemplaires, alors qu'on ne sera plus en pandémie. C'est ça. Et on va nous vendre, mais attendez, ça sera parmi, on va vous le donner, en plus des 14 autres qu'on va vous mettre dedans, dans le cocktail Molotov, quoi, que vous allez prendre dans une seule injection. Bref, je sais, mais oui, mes vidéos sont pas forcément joyeuses, mais faut en parler, je pense. Hein. Faut vraiment en parler, parce que si on ne le fait pas aujourd'hui, on ne le fera jamais. Hein. Donc voilà. Donc je ferai une vidéo peut-être demain, avant, pile poil avant la reprise, hein, pour voir dans juste ce qui a évolué depuis l'amnistie, hein, l'amnistie Covid. Il y a plein de gens qui ont finalement pris des décisions, mais sachant qu'ils sont couverts, ils vont les changer, ces décisions. Hein. Bref, voilà. Donc, je vous remercie pour tout ça. Hein. Désolé encore. Hein. Bon, ben, on est à 1h06. Je voulais faire toujours très courte, mais c'est casse-couille. Enfin, c'est casse-pied, parce que je parle. Et il y a beaucoup d'illustrations, etc. Voilà. Donc, c'est le fruit de recherche, de navigation sur un thème. Voilà. Donc, je vous en fais profiter. Vous en faites ce que vous voulez. Hein. Moi, c'est surtout pour me les revoir. Donc, quand j'aurai tendance à oublier ce qui s'est passé, ben, tiens, voilà, en temps réel. J'aurais pas besoin de faire dans l'attente, comme dirait l'autre, hein, ou achète, pour ça. Donc, je vous remercie encore. Je vous laisse sur une petite note, toujours pareil, humoristique de fin. Hein, de ce que disait. Parce que j'ai l'impression qu'on a, en fait, concrètement, de ce qui s'est passé avec Raoult dans cette gestion de crise. Au tout début de la crise, hein, on pourrait croire que c'était comme ça. Donc, ça va. C'est drôle, mais finalement, ça fait mal. Bon, ben, je vous embrasse et je vous remercie. Et je vous souhaite donc la santé et à très vite. C'est bientôt la fin du monde, moi je te le dis. Mais il n'y aura rien, putain. Combien de fois il va falloir que je te le répète? Il n'y aura rien. Mais il y a déjà une dizaine de morts, une fois de plus. Mais il n'y a que les vieux qui crèvent. C'est qu'une grosse grippe. Il n'y aura rien. Ça se soigne très facilement. Un peu de chloroquine et puis voilà. La chloroquine? Mais ça rend aveugle et cardiaque, ta chloroquine, c'est dangereux. Mais c'est des conneries, ça. Moi, j'utilise la chloroquine depuis 30 ans, j'ai jamais eu de problème. Et la marmotte, elle met le chocolat dans le papier à l'huile. Ça y est, on a aussi les masques. Eh ben, c'est pas trop tôt. Combien il y en a? 2000. C'est tout? Oui, oui. Putain, on est dans la merde. On a juste besoin de chloroquine. Je leur ai pourtant dit à ces connards du ministère. Il est déjà l'hydroalcoolique. Chloroquine. Il y en a pas. Alors, on n'a pas de masque, on n'a pas de gel et on n'a pas de lit. Besoin. Il n'y en a plus. Eh ben, ils n'ont qu'à en fabriquer. Ah, mais tu fais chier à la fin. On a juste besoin de chloroquine pour mettre fin à l'épidémie. Putain, tu comprends pas ça? Les Chinois ont inventé ce mensonge parce qu'ils avaient peur pour leur économie de marché. Je croyais qu'ils étaient communistes. Eh ben, plus maintenant. Mais ils sont capitalistes mais maintenant. Pourquoi les Chinois nous mentiraient? Tu peux me le dire? La Chine s'est convertie au libéralisme économique. Maintenant, ils sont champions mondiaux de l'exportation de voitures, de chaussures, de souhaits, de vêtements, et aussi de virus. Putain de la couée! Ils font un traitement à base de chloroquine. C'est bientôt la fin du monde! Ah, j'en ai plein le cul, je me casse! Ce monde est fou! Des pics, il n'y aura rien. Ils croient pouvoir échapper au virus.